Des soupçons sur l'emploi des agents de sécurité de Saint-Exupéry. Leur employeur, la Brinks, est visé par une enquête préliminaire du parquet de Lyon pour escroquerie et usage de faux. La société assure le contrôle des passagers et des bagages de l'aéroport. Or, selon le site M6 Info, une vérification auprès des salariés aurait montré que certains ne possédaient pas l'agrément nécessaire ou présentaient des certificats falsifiés. Aujourd'hui, la direction de l'aéroport a réagi. Nous avons régulièrement des contrôles de la Direction Générale de l'Aviation Civile, de la Gendarmerie des Transports Aériens et de la Police aux Frontières. Par ailleurs, en tant que gestionnaire et donneur d'ordre de la société Brinks, nous effectuons nous-mêmes des contrôles vers notre sous-traitant. Actuellement, nous avons détecté quelques irrégularités. Ces irrégularités font l'objet d'un plan d'action et ce plan d'action doit, selon un planning, remédier à tout ce que nous avons détecté. De son côté, la Brinks se dément dans un communiqué toute irrégularité et déclare s'inscrire dans le strict respect des réglementations.